Bon, on demande de résoudre cosinus 2x plus sinus x égale 0. Bon, tout d'abord, on va faire des cosinus. Les sinus, donc le domaine vaut R. Il n'y a pas de restriction au niveau du domaine. On peut travailler sur tout R. Bon, sachez que ici, je vais tracer un cercle trigonométrique et mettre les solutions tout simplement dans de 0 à 2 pi. 0 à 2 pi. Alors, la première chose à savoir. Enfin, je vais mettre dans un cercle trigonométrique, hein, voilà les solutions. Je vais aussi aller sur GeoGebra, les mettre sur, comment on appelle ça, sous forme de fonction. Sous forme de fonction. Bon. Alors, comment résout-on une équation pareille? Bon, tout d'abord, voilà, on a cos 2x qui est un arc doux, plus sinus x qui est un arc simple égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va chercher cosinus 2x plus cosinus pi. Moins pi demi moins x. Alors, sinus x vaut cosinus de pi demi moins x. Égal à 0. Je fais passer donc cosinus pi demi moins x change de membre. Il va dans le membre de droite. Et donc, il devient moins. Alors, sachez que moins cosinus de alpha vaut cosinus de alpha. Enfin, ce que je voulais dire ici, c'est moins cosinus de alpha vaut cosinus de pi plus alpha. D'ailleurs, je l'ai dessiné ici. Je l'ai dessiné à gauche. Pi plus alpha, bien sûr, c'est ceci. Ça, c'est pi plus alpha. Sachant que, bien sûr, pi, il est là. Alpha, que alpha est là. Donc, pi plus alpha. Donc, c'est-à-dire que là, on a deux cosinus sont opposés si voilà les arcs sont supplémentaires. En arc supplémentaire, le cosinus de alpha va donner voilà, un cosinus qui est positif, alors que cosinus de pi moins alpha va donner un cosinus qui est négatif. Et c'est ce qui est recherché parce qu'ici, voilà, on a un moins. On a un moins. Alors pourquoi on a un moins? Parce que c'est le plus ici, mais changer de membre, il devient un moins. Et pour le rendre de nouveau positif, ben, j'applique ce que je viens de voir. C'est-à-dire que je vais chercher l'anti-supplémentaire. Oui, je ne sais pas si je me suis entendu dire supplémentaire, mais c'est l'anti-supplémentaire. D'ailleurs, je vais marquer pour éviter de faire un amalgame. Ici, c'est l'anti-supplémentaire, parce que le supplémentaire, c'est pi moins alpha. Pi plus alpha est l'anti-supplémentaire. Donc, deux cosinus sont opposés si les arcs sont en anti-supplémentaire. L'un vaut alpha et l'autre vaut pi plus alpha. Et donc, je rends opposé. Donc, comme j'ai un moins, je le rends positif. Comment? Par justement l'anti-supplémentaire. Donc, je vais chercher pi plus bêta, avec bêta bien sûr qui vaut pi demi moins x. Bêta, c'est pi demi moins x. Donc, pi demi moins x, celui-ci, je l'appelais bêta. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, à partir de cette expression, ici, je vais chercher un théorème, que voici. Voilà. Si on a l'égalité de deux cosinus, cosinus x égale cosinus y, ça marche aussi pour la sécante, sécante x égale sécante y, si on a x égale 2 capi plus ou moins y, 2 capi plus ou moins y. C'est ça que je vais utiliser ici. Donc, j'applique ça. Donc, on a 2x qui est là, est égal à. Les arcs sont égaux, là, je prends en arc égaux, donc je prends 2x égale pi plus bêta. Sachant que bêta c'est pi demi moins x, donc j'aurai 2x égale pi plus bêta, bêta c'est pi demi moins x. Voilà, donc ça c'est moins x, il va passer dans le membre de droite pour faire plus x, et on a 3x. Alors, ça c'est pour les x, et pour les pi, bien sûr plus de k pi. C'est ce que dit le théorème
de gauche, j'utilise le plus. J'utilise voilà, le plus ici. Donc c'est plus de capi. Plus de capi. Alors on a pi demi, pi plus pi demi, ce qui fait 3 pi demi. Donc on aura pi plus pi demi, ça fait 3 pi demi. Et puis bien sûr, on a toujours 3 pi demi. Et je vais tout diviser par 3 pour avoir x. Donc j'ai x égale... pi demi plus de capi sur 3. 3 pi demi divisé par 3, ça fait pi demi plus de capi. Voilà. Plus de capi sur 3. Voilà la première série de solutions. Maintenant, pour avoir la deuxième série de solutions, je reviens toujours à mon théorème que voici. Je vais chercher cette fois-ci le moins. Donc, de capi moins y. De capi moins y. Donc, de capi moins y. Donc, c'est-à-dire que j'ai 2x. Voilà, ça c'est le x ici. 2x égale moins y. Donc, je dois mettre moins, moins pi plus bêta. Moins pi plus bêta, bien sûr, plus de capi. Plus de capi. Donc là, il faut faire très attention au signe. Moins pi plus bêta. Ben, bêta, je vous ai dit que c'était pi demi moins x. Plus de capi, bien sûr. Avec k appartenant à z. Donc on aura moins pi. Alors je retire la parenthèse, le plus, il devient moins. Et ce moins-là, comme on a un plus, il reste moins. Mais il y a un moins là, ça fait plus. Voilà. Et donc là, ça fera le x ici, il va passer dans le membre de gauche, ça fera 2x moins x. 2x moins x, ça fait x. Voilà. Et moins pi demi, c'est moins 3 pi demi. Moins 3 pi demi, et bien sûr, plus de capi. Donc les solutions sont de deux ordres. X égale pi demi plus de capi sur 3. Ou x égale moins 3 pi demi plus de capi. Alors si vous mettez si k égale 0, pour celui-ci on a pi demi. Si k égale 1, on a pi demi plus 2 pi sur 3, ce qui fait 3 pi sur 6 plus pi, ça fait 7 pi sur 6. Si k égale 2, on a 4 pi, 2 fois 2, ça fait 4, 4 pi sur 3, plus pi demi, ce qui fait 3 pi sur 6 plus 8 pi sur 6, ce qui fait 11 pi sur 6. Et puis on ressort de... On est au-delà de 2 pi après, hein. C'est pour ça que je m'arrête à 3. Ou bien, ici, si k égale 0, on a directement moins 3 pi demi. Si k égale 1, on aura 2 pi moins pi moins 3 pi demi. Ce qui fait 4 pi moins 3 pi sur 2. Ce qui fait pi demi. Voilà. Et si k égale 2, ben on aura 4, 2 fois 2 pi, k équivalent 2. Ça fait 4 pi moins 3 pi de... Bien sûr, c'est... Bon, si k égale 0, k égale 1, k égale 2... On est au-delà du cercle.
On sera au-delà du cercle. Parce qu'on aura 2 fois 2, ça fait 4, 4 pi. Pi si je mets en demi. Bon, je vais refaire pour k égale 1. K égale 1, c'est 2 pi moins 3 pi demi. Pi moins 3 pi, le tout sur 2, ce qui fait pi demi. Donc ça, c'est bien juste. Je me suis pas trompé. Pour le second, ça fait 4 pi moins 3 pi demi, ce qui fait 8 pi moins 3 pi sur 2, ce qui fait 5 pi sur 2. Bon, et là, comme je dis, on est au-delà du cercle. Et ça, vous pouvez dessiner. Hein. Vous faites pi équivalent 180 degrés. Donc là, ça fera 90. Là, vous faites 180 divisé par 6, ça fait 30. Ça fera 210. Voilà. Et puis, vous faites le calcul de l'autre. 180 divisé par 6, ça fait 30. 30 fois 11, ce qui fait 330. Bon, l'écart 330 moins 210, 120. Et 90 plus 120, voilà, 200, tout est bon. Est bon. Alors on pourrait faire la même chose avec l'autre. Et là, vous voyez bien qu'on a bon un point en 90. Alors avant toute chose, je vais mettre la fonction. Maintenant, je vais le résoudre sous forme de fonction. Comment est-ce que je vais faire? Donc on a cos 2x qui est, que voici, sinus x que voici, la somme des deux que voilà. Bon, et ce qui m'intéresse, c'est la somme des deux. Quand est-ce que la somme des deux vaut 0? Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Si, c'est ça. C'est ça. Quand est-ce que la somme des deux vaut 0? Bon, je peux aller chercher la racine via le mot racine. Mais le problème, c'est que, bon, il va pas tout me les donner. GeoGebra ne me les donne pas toutes. Donc ça, c'est à bannir parce que vous voyez qu'il en manque. Donc GeoGebra ne me donne pas toutes les racines. Bon, même si j'avais fait, regardez bien, je cherche la fonction. Là, je fais points spéciaux. Ah, là, il les a tous mis. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est les minimums. Hein. C'est parce qu'il a introduit les maximums et les minimums. Donc fatalement, là, il y a des racines qui sont minimales. Il met les minimums, il met pas toutes les racines. Voilà, donc ça c'est pas bon. Donc les extrémums, si je les enlève, voilà, il reste que les racines. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ça, je peux vous dire que c'est mauvais. Et puis il met l'ordonnée à l'origine aussi. Bon, je vais effacer ça. Les racines. Et l'ordonnée à l'origine. Bon, le point H, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'efface ce point H et j'efface l'ordonnée à l'origine. C'est des points spéciaux, ils vous donnent le maximum, minimum, ils vous donnent tout. Les racines, mais simplement, les racines, il les donne. Voilà, il y a des trous. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans les racines de. Comment on appelle ça? De GeoGebra. Alors comment faire? Ben, je vais chercher ceci. Et je l'encode. Je l'encode. Si j'encode ceci, ça vous donne pi demi plus de k pi sur 3. Voilà, il est là. Voilà, j'en ai une, voilà bien sûr. Si b égale 0, j'ai ceci. Si b égale 1, j'ai la suivante. Si b égale 2, si b égale 3, si b égale 4. Bon, et normalement, il faut aller sur un tour. Hein. Il faut aller sur un tour. Il faut aller sur un tour. Bon, maintenant, là. C'est sur un tour négatif. Un tour, c'est 0 à 2 pi. Il faudrait prendre que, voilà, jusque-là. Donc là, j'aurais combien de racines? 1, 2, 3. Il n'y a que 3 racines. Ben, c'est les 3 racines que j'ai mises là-bas. Sur un tour, voilà, je n'ai que ça.
Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça, sur un tour, ça veut dire c'est 0 à 2 pi. Donc c'est, moi, je me cantonnais les racines à x égale 0 à x égale 2 pi. Je peux pas aller plus loin. Voilà. Et là, là-dessus, il n'y a que 3 racines. Je voulais remettre. Ah. Pour 0, on est là. K égale 0, K égale 1 et K égale 2. Et puis on ressort du. Les autres n'intéressent pas parce que je suis en dehors du cercle. Maintenant, en négatif, si je veux 2, 0 à moins 2 pi, ben, on ne dépasse pas ça. Et là, vous voyez qu'il les donne toutes. Hein. J'ai même pas besoin de l'autre. J'ai pas besoin de l'autre. Alors maintenant, voyons voir l'autre. La deuxième ici. Celle-ci. Donc, celui-ci, ça suffit. Hein. Il vous donne toutes les racines. Il vous donne toutes les racines. Voilà. Donc, il n'y a même pas besoin de l'autre parce que celui-ci. Ben, c'est un complément et en plus celui-là il n'a pas toutes les racines. On va voir ça tout de suite. K égale 0. Alors je l'encode. Moins 3 pi demi. Voilà. Et c'est, si je fais C égale 0, maintenant je vais le montrer. Voilà. C égale moins 1. Voilà. Vous voyez qu'il saute. Là, c'est C égale. Moins 1, il est là. Là, il a sauté. Voilà, vous voyez qu'il a sauté une racine qui est là. Regardez, si moins 1, il est là. Puis 1, 0, il est là. Donc il a sauté une racine. Donc vous voyez qu'il ne les met pas toutes. Il saute des racines ici. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous le savez. Là, il donne sur une bonne racine et puis il retombe là-bas. Et vous voyez que au bout de. Ça, c'est K égale 0. Et K égale 1. K égale 0. Alors, moins 1, il est là. 0, il est là. Donc dans le cercle de 0 à 2 pi, il n'y en a qu'une seule. Hein. Parce qu'il y en a deux qui sont en dehors. Donc ça veut dire que si je veux dans le premier cadran, celui-ci, si je fais de solution de 0, solution de 0 à 2 pi, voilà, c'est de 0 à 360 degrés, que je ne sais pas pourquoi je dis premier cadran, mais c'est de 0 à 2 pi, c'est ça que je veux dire. C'est dans les quatre premiers cadrans. Donc ça veut dire que celui-ci est à rejeter et que celui-ci est à rejeter. Parce que 5 pi sur 2, 180, ça fait 90. 90 fois 5, 9 fois 5, 450 degrés. Donc là, 450 degrés. Donc 1, là, il est négatif. Il a rejeté parce qu'il est en dehors de 0 à 2 pi. Et lui, il fait 450 degrés. Mais il est en dehors de 360 degrés. Donc il est aussi à rejeter. Donc vous voyez qu'ici, on n'en retient qu'une. Mais. Le problème, c'est que avec celui-là, le problème avec ça, c'est que on ne les parcourt pas tous, toutes. Donc, la meilleure, c'est celle-là. La meilleure, c'est celle-là. On les parcourt toutes. Et alors, si vous voulez 0 à 2 pi, on n'aura que 3. On n'aura que 3. Donc, quelles sont les solutions de ça? C'est. Voilà, c'est celui qui parcourt toutes les solutions. C'est x égale pi demi plus de k pi sur 3. Pi demi plus de k pi sur 3. Donc les solutions égale pi demi plus de k pi sur 3 avec bien sûr k. Appartenant à Z. Et de 0 à 2 pi, celui si on possède 3. Mais sinon, lui, il possède toutes les solutions dans R. Hein. Il met toutes les solutions dans R. Donc on n'a pas besoin de l'autre. L'autre, bon, il vous donne qu'une partie des solutions. Celui-ci, bon, voilà, celui de gauche, là. Vous donne qu'une partie des solutions, celui-ci. Alors que celui-là donne toutes les solutions dans R. Et donc, je vais me contenter de celui de gauche. Parce que bon, il est plus complet que celui de gauche. Enfin, je vais me contenter de celui-là de gauche, qui est plus complet que celui de droite. Et sur 0 à 2 pi, il me donne toutes les solutions.
puisqu'il m'en donne 3, alors que celui-là de droite me donne qu'une solution, qui est pi demi. Donc, si je veux les solutions de 0 à 2π, bon, ça c'est dans R, c'est les solutions dans R. Alors, je vais mettre les solutions de 0 à 2π. Ça c'est les solutions dans R, mais dans l'intervalle 0, 2π, les solutions, bien sûr, seront celles qui ont été trouvées tout à l'heure, c'est-à-dire pi demi. Sept pi sur 6 et 11 pi sur 6. Ça, c'est dans 0, 2π. Donc tout dépend où ce qu'on est, si on est dans 0 de pi ou dans R. Je vous remercie.